rendez-vous hebdomadaire autour de la cocotte de l'haricot. Aujourd'hui, nous allons préparer du poulet et du miga. Et nous avons décidé aujourd'hui de présenter le poulet miga sous forme de baloutine. Pour ça, nous avons besoin des cuisses de poulet. Alors, vous pouvez prendre les cuisses de poulet, du blanc de poulet, du blanc de dinde, filet de dinde, comme vous voulez. Moi, j'aime les cuisses de poulet. Mais j'ai décidé de les désosser. Il faut les désosser, désosser votre cuisse de poulet pour récupérer que la chair du poulet. Alors, on vient enlever la partie du haut du cuisse. On enlève la partie grasse. L'assaisonner avec du sel et du poivre, un tout petit peu de moutarde, de la ciboulette hachée, mixée, de l'ail, un peu d'huile d'olive, des citrons, on mélange. Alors, vous savez que nous en Afrique, on mange le poulet en entier, de la tête aux pieds. Non, de la tête aux pieds. Je récupère l'os qui va nous servir de base pour faire notre sauce. Alors, on fait bien caraméliser notre os, vous voyez, il y a le sucre qui descend, qui va nous permettre d'avoir une très bonne sauce. On va épingler notre os avec un peu de farine, et ça va permettre finalement de lier la sauce, et on déglace avec de l'eau. Vous pouvez déglacer avec du vin blanc. Alors je choisis de le faire avec de l'eau, tout simplement. On rajoute deux feuilles de laurier. Dans un morceau, on va mettre le mica. On obtient une pâte vraiment bien et bien pâteuse. On vient rajouter à cette pâte un jaune d'œuf. Légèrement poivré. Faire, c'est je vais mettre les oignons avec voilà. C'est parti.
Voilà notre poulet avec du mdouka au milieu. Régalez-vous bien et surtout envoyez-nous vos images, vos réalisations, vos photos, vos suggestions. Partagez et faites des commentaires. À la prochaine.